بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على معلم البشرية جمعا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'école coranique à la télévision Al Bayan. Et notre cours portera sur l'alphabet arabe. Voici donc l'alphabet arabe devant votre petit écran. Et l'alphabet arabe comprend 28 lettres. L'alphabet arabe comprend 28 lettres qui s'écrivent de la droite vers la gauche. Et nous allons lire aujourd'hui l'alphabet arabe à la forme neutre, c'est-à-dire sans voyelle. Alif, vous pouvez répéter avec moi. Alif, ba'un, ba'un, ta'un, 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 tha'un. فاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زاي زاي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء Ya'un. Voici donc, chers téléspectateurs et internautes, l'alphabet arabe à la forme neutre. Et nous allons vous donner également les types de voyelles. Et les voyelles en langue arabe comprennent trois voyelles de base. Premièrement, j'ai la voyelle Fataha. J'ai la voyelle Fataha. Et deuxièmement, j'ai la voyelle Kasra. Et troisièmement, j'ai la voyelle Dom. Et je sépare mes voyelles avec la marque rouge pour bien définir les différentes voyelles. La voyelle fataha au-dessus, la voyelle fataha au-dessus et la voyelle kasra en dessous, la voyelle kasra en dessous et la voyelle dhamma au-dessus. Et nous allons enseigner l'alphabet arabe
par 4 séances. La première séance, en raison de 7 lettres. La première séance, en raison des premières 7 lettres. Chers téléspectateurs, je reprends avec vous, avec les 7 lettres. La lettre Alif, Ba, Ba, Ta'u, Ta'u, Tha'u, Tha'u, Jim, Ha'un, Kha'un. C'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui, cette première lettre d'alphabet arabe, comme vous le constatez dans votre petit écran. La première lettre, Alif. La deuxième lettre, Ba, Ta, Tha'un, Jimun, Ha'un, Kha'un. Je le prends. Alifun, Ba'un, Ta'un, Tha'un, Jimun, Ha'un, Kha'un. Je viens avec la voyelle ici maintenant. Je lis la voyelle Fataha au-dessus, la voyelle Kasra en dessous et la voyelle Dhamma au-dessus. Comment appliquer ces voyelles à travers ces premières lettres? Si je prends par exemple la lettre Alif, la lettre Alif avec la voyelle Fataha, avec la voyelle Fataha, j'aurai automatiquement un son, c'est-à-dire la syllabe courte ou la syllabe bref. La Fataha avec le Alif me donnera A, me donnera A. Par contre, on a ainsi Hamza. Et le plus souvent, on voit le Hamza au-dessus de Alif. On voit toujours le signe Hamza au-dessus de Alif. Donc, j'écris le Hamza ici. Maintenant, j'ai la lettre Alif avec Hamza et la voyelle Fataha me donnera la syllabe, bref, me donnera la syllabe bref A. Et si je prends la voyelle Kasra, pour appliquer la voyelle Kasra avec la lettre Alif, me donnera également la syllabe courte, la syllabe courte. La syllabe courte, on me dira toujours ici, I. Donc, la voyelle Fataha et la lettre Alif et le Hamza me donnent A. Et la lettre Alif avec le Hamza en dessous et la voyelle Kasra en dessous me donnera également I. Me donnera également I. Et si je prends la voyelle Dhamma pour appliquer avec la lettre Alif et le Hamza, avec la voyelle Dhamma me donnera la syllabe bref ou. Me donnera la syllabe courte ou. Donc, voici donc l'évolution des voyelles, que ce soit la voyelle Fataha au-dessus, que ce soit sera en dessous, et la voyelle Dhamma au-dessus. En appliquant ces voyelles avec ces lettres, précisément la lettre Alif, me donnera A. Avec la voyelle Fataha, me donnera A. Avec la voyelle Kasra me donnera I, avec la voyelle Dhamma me donnera U. Voici comment évoluent les voyelles avec les lettres.
et je prends également la lettre. Je prends également la lettre Ba'un. Si je prends la lettre Ba'un, je le mets ici. La lettre Ba'un. La lettre Ba avec la voyelle. Avec la voyelle Fataha. La lettre Ba avec la voyelle Fataha me donne Ba. La lettre Ba'un avec la voyelle Fataha me donne Ba. Et les mêmes lettres Ba'un avec la voyelle Kasra me donne Bi. Me donne Bi. Et les mêmes lettres Ba'un avec la voyelle Domma me donne Bou. Me donne Bou. Donc, voici comment évoluent les voyelles à travers les lettres. Donc, la lettre Ba'un est appliquée avec toutes les voyelles ici. La voyelle Fatha me donne Ba. La voyelle Kasra avec la lettre Ba'un me donne Bi. Et la voyelle Domma avec la lettre Ba'un me donne Bou. Je prends également la lettre Ta. La lettre Ta'un qui s'écrit ici. La lettre Ta'un. La lettre Ta'un avec la voyelle Fataha me donnera également Ta. Et la lettre Ta'un avec la voyelle Kasra me donnera Ti. Et la voyelle Domma avec la lettre Ta me donnera Tu. Ensuite, la lettre Tha'un. La lettre Tha'un avec la voyelle Fataha me donnera Tha. Et la lettre Tha'un avec la voyelle Kasra me donnera Fi. Et la lettre Tha'un avec la voyelle Domma me donnera Fou. La lettre Jim. La lettre Jim avec le type de voyelle. Je mets la lettre Jim ici. La lettre Jim avec la voyelle Fataha me donnera Ja. La lettre Jim avec la voyelle Kasra me donnera Ji. Et la lettre Jim toujours avec la voyelle Domma me donnera Ju. La lettre Haou. La lettre Haoun. La lettre Haoun. Avec la voyelle Fataha me donne Ha. Et la lettre Haoun toujours avec la voyelle Kasra me donnera Hi. Et la lettre Haoun avec la voyelle Domma me donne Hu. Me donne Hu. La lettre Khaoun avec la voyelle Fataha me donne Kha. Et les mêmes lettres Khaoun avec la voyelle Kasra me donnera Khi. Et les mêmes lettres Khaoun avec la voyelle Domma me donne Khou. Voici comment évolue l'alphabet arabe avec les voyelles précisément. Je prononce ces sept premières lettres avec les voyelles, c'est-à-dire je prononce ces sept premières lettres avec les différentes voyelles. Quand il s'agit de la lettre alifoun, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Tha, Si, Su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kha, hi, hu. Chers téléspectateurs et internautes, notre cours prendra ici fin et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.